Allez, salut gros, c'est Marty. Écoute, on se retrouve, on est dimanche 27. Oui. 7. Bah écoute, on part pour une rando organisée à Pont-du-Château, la Castelpontine, je crois que ça s'appelle. Ouais. Castelpontine. On est parti sur le 37 km et 600 de D+, je crois. Ça pique un peu, on est rentré tard hier soir, là, on a un peu la gueule dans le. Eh. Et puis surtout ça pèle, il fait 6 degrés tout de suite et en espérant que ça se réchauffe vite. Je te laisse, on se retrouve sur le départ. Allez, ciao. Allez, ben on est parti. J'ai pas pris le temps de filmer le départ, on est tombé sur des anciens collègues, donc du coup j'ai pas pris le temps de filmer, mais on est parti là de Pont-du-Château, du coup de la mairie. Bah pour l'instant ça descend hein. Petit pont, petit con. Bon alors te fie pas au soleil là tout de suite hein, parce que il fait beau mais ça caille encore. Hein. La paire de choules. Bonjour. Regarde, je saute au-dessus de la barrière en bois là. T'es prête? Ah non. De noyer. On fait une belle de ronce. On va se baigner à gauche là. Ouais. Faut casser la glace. En train de sortir. Et on va monter à droite là-haut, je pense. Ouais. Attends. Hey, bonjour. Bonjour. Et moi j'ai déjà mal au cul. Oh non mais allez, c'est pas cool. Ah. J'ai pas fait exprès. J'avais pas vu. C'est ce que les gens disent. Oh my god! Wow! Les autres, c'est vraiment cher. Bah oui, tu sais, c'est là où on passe quand on vient de Borgard. Ah oh, ouais, je l'ai pas reconnu. Non, enfin, pas du tout, on passe dans l'autre sens. Attends. Bonjour. 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 Et bon... Oh non, au revoir. Pas content lui. Allez, prends-le. Tiens, tu vas compter tous les kilomètres? Oui. Ça risque d'être chiant, hein. Ouais, ouais. C'est drôle, quoi. Ça fait 5 bornes, 5 bornes et demi. Oh putain, la jaja, elle est par terre. Alors? Qu'est-ce que t'as foutu? Bon bah, petite pause. La jaja vient de prendre une belle fouge. Tiens, je te montre ses bobos. Voilà. Ah, elle s'est bien poncé le coude. Elle s'est bien poncé la jambe. Aussi, mais... Elle s'est bien poncé le bassin. Hein? Ouais. Elle a voulu aller trop vite, la jaja. Elle a pris les confiances et voilà. Bon bah, heureusement qu'on était vers la fin, hein.
On a fait 5 bornes. Rigole pas, t'as flingué un maillot tout neuf en plus. Ouais, enfin, je te promets que ça va être long la sortie. Allez, passe devant. La prochaine, je la filme au moins. Oh là 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 là, le matériel. Nom de Dieu. Ah la vache. Attention, il y a un trou, Jaja. Bon, devine, Jaja est tombé il y a 300 mètres, hein, on avance, et là, je te laisse deviner, ce p*** de pneu qui refuit. Oh, ça brûle, c'est au citron ton truc, non? Non mais regarde. Non mais regarde, ça se barre partout le préventif là. Regarde ça. Eh ben ça va être long, combien? 37 bornes à faire comme ça? On n'est pas rendu. Allez, on essaie de repartir. On va essayer de faire 300 mètres avant d'avoir de nouvelles emmerdes. Là je t'avoue que ça commence bien. Ah putain, les joies du VTTiste. Non mais ma jambe, je vais me détruire. C'est vrai que ça te fait un caco, ça te fait un œuf. Bah, tu vois, tu voulais une vidéo, je tombe pas. Voilà. Ouais, mais je voulais te filmer en train de tomber. Dans ce dos. Attends, c'est quoi dans l'érosion de verge. Érosion de verge? Non, de verge. Ah, de berge. Et de gerbe. Éruption de gerbe. Et oui, une éruption de gerbe, une éruption de verge. Bon, moi je lui ai conseillé d'arrêter, mais elle veut pas. Hein. Alors, t'es témoin. Elle est têtue. Elle est têtue, elle fait yesh. Déjà, elle a honte. Elle a honte. Bon, enfin, on n'est pas rentré, je pense. Tu fais pas le décompte? Non, ouais. Des kilomètres, non, stop, t'arrêtes. Oui, oui, là. Enfin, je crois. On verra bien. Je sais pas, 37-55. Je veux bien continuer, mais je veux pas partir sur 55 quand même. Oh. On pourrait faire un effort. Ouais. Et ben entre ta chute et mon pneu, ça nous a quand même bien refroidi, je trouve. Voilà, tu vois, ça pisse ici. Ça pisse ici. Ok, sur le flanc. C'est même pas la bande de roulement. Ça me gonfle. Regarde ça. Regarde, regarde. Putain, mais plus je regarde, plus il y en a. Ça sert à rien, je gonfle et je l'entends pisser à moi. One eternity later. Bon, je te retrouve après 6-7 arrêts pour regonfler. Il a fallu, comme t'as vu, que je vire le préventif et que je remette une chambre. Par contre, j'ai rien pour faire claquer le pneu. Alors, je suis vachement sous-gonflé. Je pense que... J'espère que ça va tenir. J'espère qu'il y a un ravito aussi pas loin. Et que l'orga a une pompe. Parce que ça va être dur de finir. Et toi, là, Jaja, les bobos? Ça va, ça brûle, mais ça va. Je sais pas si on était pas un petit peu le poignet ou un peu de ça. Ah. Mais ça va. Enfin, je suis rarement emmerdé comme ça, je dois t'avouer que premier rando avec toi, il y a des emmerdes comme ça. Je vais peut-être t'appeler le gâteau negro. En plus ça grimpe. Alors avec le pneu arrière à plat. Je veux dire que là, c'est la merde. J'en chie. Putain. Bah, je peux dire que là, ça grimpe. C'est défoncé.
Putain, quand tu commences comme ça, une chute, des crevaisons, putain, ça te motive pas pour le reste. Hein. Je te garantis que là, j'ai qu'une envie, c'est de jeter le vélo. Mais bon, je t'avoue que le paysage, là tout de suite, je m'en branle un peu. J'ai qu'une envie, c'est d'arriver. Et on n'a pas fait la moitié. Ah, c'est en bas enfin. Bon, alors, faut pas que je fasse le con moi parce que j'ai pas de. Bonjour messieurs dames. Attends Jaja parce que avec sa fouge. Et bonjour. Dites-moi, vous auriez pas une pompe par hasard? Si. Ouais. Ah putain, ah, super. Vous avez, la chance, hein. Vous avez un mécano. Allez, on vient de s'arrêter au ravito. Là, j'ai pu avoir un mec de l'orga qui m'a prêté une pompe pour mon pneu. Et puis la Jaja a désinfecté un peu sa blessure de guerre. Donc on mange un bout et puis on y va. Oh, ça sent. Ah oh, putain, ça sent les frites. On a des frites après qu'on va prendre. Et je peux faire des pommes avec. Ah ouais. C'est bien, c'est régime là. Vas-y, ça filme, tout le monde t'écoute. Ah merde. Et ils vont dire le mec. Oui, le mec. Ah mais je veux faire ça. Il dit qu'il est au régime, il bouffe des frites et des barbecues. C'est du barbecue ça là. La viande grillée, c'est quoi? Oui. Hein? Il n'y a même pas de sauce. Et les bières et le rouge? C'est pas. Ah hein? Oui. C'était du rouge light. On est parti! Heureusement que j'ai vu la flèche, je l'avais pas vu. En ravito. Non. Bon. Bah, je suis pas prêt pour refaire des randos de 50 bornes là tout de suite. Pourquoi? Parce que je suis rincé. C'est vrai? Ouais. Je suis énervé. Ouais, je pense que. Moi, ça m'a un peu coupé, pas de ça. Ah, bah, c'est sûr. Ah, mais quoi, ça, c'est un truc de balle frappe. Un truc de balle frappe. C'est un truc canin. Ah truc de balle frappe. Oh la vache. Exact. Et je pense que tu voulais dire paintball, non? Ouais. Bon, et ben écoute, hein, on va dire que ça se termine mieux que ça n'avait commencé. Pas trop d'emmerde depuis 10 minutes. Bon, un quart d'heure, j'exagère. Et puis on avance doucement. On a fait 25 bornes. Il est pas mal ce petit sentier là. Moi non plus. Là on roule vers l'inconnu, même vers l'infini et au-delà. Ouais. T'as la référence? Oui. C'est quoi? Ah oui. Buzz l'éclair à la rescousse. Et comment il s'appelle le personnage principal? Ah, parce que tout le monde connaît Buzz, mais il s'appelle pas Woody? C'est le cow-boy. C'est le cow-boy. Avec son fouet et son chapeau et ses chapes en cuir.
saute là. Hop. Bon, je pense qu'il nous reste pas grand chose. Écoute, on aura quand même profité malgré tout. On en aura bien un peu chié aussi. Ah bah voilà. Là, enfin de l'intéressant. Attention, c'est gras. C'était presque propre. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. J'aime bien ici, là. Oh, ça me donne envie. Ça me donne envie. Le resto. Ouais. Ah ouais. Attends, c'est un peu rouge, Aja. Hein. Allez, c'est un peu vert. Bonjour. Qu'est-ce que tu dis? Mais il y a vraiment du monde. Nous voilà au point de départ. Enfin au point de départ, on n'est pas encore tout à fait. Hein. Il y a encore une belle côte à monter. Que c'est sûr, je monterai à pied parce que je la connais. Et je me connais. Mais bon, attention à la tête. Et puis on sera de retour à la voiture. Non mais c'est pire. Ah bah tiens, bah t'as, tu vas voir, regarde. Regarde. Fais la maline, on va voir. Tu vas voir. Qu'est-ce qu'elle fait la mariole? Ouais, ouais, ouais. Non, c'est celle en face. Eh oui. Allez. Alors là, tu peux déjà tout mettre en bas. Hein. Là, voilà. Ouais. Ils ont mis go pour nous encourager. Ouais, go. Ouh. Je sais pas combien de pourcents, mais... Voilà, stop. Moi, j'arrête. Ouais. Bon. On est sur les derniers mètres. Tu vois, que tu vois. Bon, le Jaja, tu vois, je faisais la maline, mais elle a pas fait beaucoup mieux. Ah si, un peu quand même. Surtout dans l'état de délabrement avancé dans lequel elle se trouve. Mais là, c'est dur. Sans déconner. On y est, la jauge. Ouais. Oh putain. Oh là, enfin, on y est. Peut-être pas encore. À droite. Oui, dit. D'accord. Mais cette droite-là. Oh, et ben on aurait chié avec ces chutes, ces crevaisons et ces montées à la con. Allez, terminé. On se retrouve à la maison. On va aller prendre la douche. Et ben sortie compliquée, rando compliquée hein, entre les crevaisons et la chute à Jaja. D'ailleurs, à propos de ça, vous inquiétez pas, le vélo va bien. Quelques petites rayures, mais pas grave, on fera quelques retouches de peinture. Bon, sinon, ben, je vous dis... Non, je plaisante. La Jaja, elle va bien aussi. La peinture un peu rayée aussi, il faudra faire quelques retouches, mais rien de grave. Elle va avoir quelques bleus, et puis voilà.
On apprend de ses erreurs, hein, Jaja? Allez, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. À plus, les gros. Et bougez-vous.